as Kevin Schulz. Second but pour Marseille Cos.
De Jean-Philippe Sabot avec la tête de Bauken et l'ouverture du score pour le Racing Club de Strasbourg juste avant la pause. Attention à la frappe et le deuxième but. Et le deuxième but du Racing Club de Strasbourg. C'est Alassane Ndiaye qui donc fait le break pour le Racing Club de Strasbourg à la 48e minute de jeu. Premier poteau, on cherche encore une fois Jérémy Blayac. Qui remet ce ballon pour Jérémy Blayac et voici le troisième but du Racing Club de Strasbourg. Il l'a tant cherché au cours de cette rencontre, l'attaquant strasbourgeois. Finalement, il a patienté jusqu'à la 87e minute de jeu. Charrier toujours qui parvient à trouver Johan Eman dans la surface de réparation et la réduction du score du VLF par l'intermédiaire de Johan Eman. Et Okidja n'a pas eu la main ferme sur le tir croisé de l'attaquant Luçonnet. Sixième but de la saison pour Johan Eman. Un but qui vient sauver l'honneur pour Luçon. Thank you.
Quatrième du classement, l'US Boulogne-CO restant sur 5 victoires en 6 matchs voulait poursuivre à domicile sa bonne série face au CA Bastia, 14e et toujours empêtré en bas de tableau. Après un premier coup franc de Damien Tibéri, les Corses vont trouver l'ouverture à la 25e minute sur cette tête contre son camp de Cédric Fabien. Les Boulonnais qui ont éliminé dans la semaine Grenoble en 16e de finale de la Coupe de France vont rapidement retrouver leurs esprits, mais Sébastien Lombard est à la parade sur cette tentative de Julien Bègue. Mais le portier corse ne peut rien faire quelques minutes plus tard face au pied gauche d'Henrik Bizier qui égalise pour les nordistes à la 38e minute. Le buteur boulonnais suspendu en Coupe de France a des jambes. Il décale parfaitement ensuite Yacine Adou. Le centre du latéral droit est précis, la reprise de Georges Gopé beaucoup moins et voilà une belle occasion qui s'envole juste avant la pause. En seconde période, Xavier Mercier et ses partenaires reprennent la partie là où ils l'ont terminée, c'est-à-dire dans le camp bastiais. Le numéro 10 boulonnais sert parfaitement Bizier lancé qui donne l'avantage à son équipe à la 49e minute. L'ancien Bayonnais inscrit son 7e but de la saison et signe son 2e doublé. Boulogne domine, 57e minute, le coup franc de Mercier atterrit sur la tête de Gopé qui ne laisse aucune chance à Lombard et marque le 3e but des Boulonnais. Pour cette rencontre, Stéphane Le Mignan craignait une baisse de régime de ses protégés après la qualification en Coupe de France, mais il n'en est rien. Et c'est Mercier qui conclut à 70e minute le festival offensif des locaux après ce bon débordement d'Adou. Boulogne s'impose 4 buts à 1 et monte sur la 3e marche du podium. Les Rouges et Noirs qui viennent d'engranger 17 points lors de leurs 7 derniers matchs confirment leur statut de prétendant à la montée. Pour Bastia qui ne possède plus que 2 points d'avance sur la zone rouge, la suite de la saison sera encore placée sous le signe du combat pour le maintien. Rendez-vous capital dans la course au maintien au stade de Lidonnière où le Poiré-sur-Vivet F16e accueillait le FC Istres 17e. Pas de but marqué en première période mais une exclusion, celle d'Abdelazoubir, le meneur de jeu istréen au contact avec Abdoulaye Touré qui doit laisser ses partenaires à 10. En seconde période, les Vendéens vont profiter de leur supériorité numérique pour prendre l'avantage. Sur ce corner de Vicente, la faute de main d'Olivier Blondel profite à Papsar qui inscrit son premier but de la saison. Le Poiré-sur-Vie mène 1-0 à la 65e minute et va s'assurer la victoire en fin de match. Loïc Dufault lance Christopher Vicente qui vient battre Blondel à la 87e minute. Après 7 matchs sans victoire, les genoux renouent avec le succès, enfoncent encore un peu plus la tête sous l'eau de leur adversaire du jour. Les joueurs d'Osvald Tanchot sont désormais 15e à 2 points du CA Bastia, premier non relégable.